Bonjour à tous, très bien, je vois que je peux démarrer, parfait. Bon, ouais, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, un peu moins nombreux que sur le sujet CSRD de juste avant, mais on va quand même parler d'un sujet euh, qui me semble tout à fait intéressant, qui est euh, cette histoire de contribution, de compensation, mais en faisant un focus sur un projet bien précis. Donc la raison pour laquelle on souhaite vous en parler aujourd'hui, c'est qu'en fait on, on est deux organisations ici, ah, tiens, j'entends mieux comme ça, donc deux organisations, euh, South Pole, qui commence à être connu sur la question, mais je vous présenterai très rapidement euh, qui on est, ce qu'on fait, et euh, également Gayago, donc qui est parmi nous. Donc merci d'être là. Euh. Donc c'est Anaïs et Aurélie, euh, et je suis donc épaulé euh, côté Sars par Maria. Donc l'idée c'est vraiment aujourd'hui pas de vous parler euh, de pourquoi la compensation est euh, horrible ou géniale, mais vraiment de vous faire un focus très concret de ce qu'on peut faire en fait via ce mécanisme-là. Avec un projet carbone euh, qui est européen, euh, qui euh, parle d'agriculture régénératrice, mais je ne vais pas encore tout dévoiler maintenant. Donc, Je vous laisserai en parler euh, un peu après. Euh, donc en termes d'introduction, rapidement pour ça, Paul, euh, qui commence à être connu sur la France depuis déjà euh, quelques années maintenant. Euh, on est une cinquantaine de personnes à travailler sur la question euh, du climat euh, sur le bureau de Paris. Et euh, on, est, on également, en fait, euh, fait partie d'un écosystème de euh, plus de 1300 personnes maintenant, un peu partout dans le monde. On n'est pas uniquement sur la compensation en tant que telle, on est un cabinet en fait, qui accompagne les entreprises sur tous les sujets qui sont liés au climat, des sujets qui peuvent être euh, très vastes, donc ça part du diagnostic en passant par euh, de l'accompagnement à la réduction, et effectivement sur la contribution slash compensation. C'est un sujet qu'on maîtrise bien, parce que ça fait 17 ans qu'on qu est dedans. Euh, on a connu euh, les complexités de départ. On a encore aujourd'hui euh, tout un tas de, de questions ouvertes sur lesquelles on essaie d'apporter de, 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 des réponses les plus efficaces et les plus pragmatiques au fur et à mesure. Et donc tout ça nous a quand même permis d'être confrontés à tout un tas de questions, d'avoir développé maintenant ou d'avoir aidé à développer plus de 1000 projets partout dans le monde. Et, euh, et donc c'est une expertise que je trouve intéressante quand même à pouvoir partager dans un monde où aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est un sujet complexe qui est parfois euh, mal compris. Et donc, on aimerait aussi pouvoir, euh, bah, en tout cas, casser tout un tas d'a priori. Et <coughs> on aura une session de questions. Et puis, surtout, n'hésitez pas éventuellement, si vous avez envie de, de venir nous attaquer sur la conversation. On est au stand 39, euh, donc je serais ravi de pouvoir éventuellement casser quelques, quelques idées reçues là-dessus. Mais donc pour l'instant, sur le projet, et je vais vous laisser euh, un petit peu plus la parole. Donc on va parler d'abord de, de ce partenariat-là, puisqu'en fait, euh, ce n'est pas juste South Pole qui fait un projet, ce n'est pas du tout le cas. C'est Gaïago au départ, et South Pole est arrivé pour épauler euh, un projet dans lequel on croit. Donc je vais, je vais laisser un petit peu la parole à Maria. Merci Mathieu. Oui, merci à tout le monde. Et on voulait par par parler un petit peu des partenariats. Maintenant, Sao Paul et, et Gaillago, on est dans un partenariat pour accélérer la transition vers une agriculture plus durable. Dans ce partenariat, Sao Paul n'est pas un consultant pour Gaillago on est partenaire dans le projet. Être partenaire, ça signifie qu'on va développer et on va chercher à faire un projet intégral où on partage les risques de développer les projets, de l'implémentation, de, de la mise en œuvre et de la certification, mais aussi on va partager les bénéfices qui, sont, eh, qui vont venir à partir de projets. Et Sao Paul et Gallagher, on a des différentes expertises. Sao Paul, on est expert dans le, la, le développement des projets de certification de carbone, comme dans les marchés de carbone. Et GaiaGo sont les experts sur le terrain dans la technologie qui on va développer avec ces projets-là. GaiaGo sont les experts producteurs d'une nouvelle technologie de biostimulants qui aide avec l'accumulation du carbone dans le sol. Et GaiaGo amène cette expertise en la production et la distribution de ces biostimulants vers les projets avec les agriculteurs. GAIAGO aussi sont les experts en l'implémentation des activités de projet. Ces activités de projet, ce n'est pas que pour l'accumulation de carbone dans les sols avec les agriculteurs, mais aussi pour avoir plus de bénéfices vers la communauté et la biodiversité. On parlera de ça un petit peu plus parce que c'est partie de la norme. GAIAGO aussi, dans son expertise, il est en charge d'engager les participants dans le projet, de faire un suivi, un accompagnement avec les agriculteurs, et aussi des pensées à suivi futur vers l'implémentation des projets, mais aussi vers la vérification. Et aussi, GAIAGO est en charge des, des mécanismes de répartition des bénéfices. Et ils vont renverser les bénéfices vers les agriculteurs et tous les participants de projet. Et un des parties les plus importantes, c'est que Gaillago, ils, sont, ils vont développer les projets, ils vont continuer à développer les projets. Jusqu'à maintenant, les projets se développent en France et en Belgique, mais on a des intentions d'y aller dans des autres pays en Europe. Et ça, c'est un engagement fort et complexe que Gaillago et tient l'expertise en ça. South Pole, on est des experts en tous les pas et les procès de certification du carbone. On a commencé avec ce partenariat, avec un étude de faisabilité où on a, ré, on a évalué les meilleures méthodologies et les meilleures normes ou standards pour développer le projet. Après, on a commencé à faire une intégration de cette nouvelle technologie parce que les biostimulants, c'est une nouvelle technologie qu'il fallait intégrer dans la méthodologie. On a bien travaillé sur ça. On fait aussi une coordination des parties prenantes et en parallèle à cet engagement avec les communautés et les agriculteurs. Mais la nôtre, ça va plus vers la certification, un engagement avec les auditeurs, avec les standards et avec tous les systèmes de, 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 de monétisation et après avec, avec les certificats de carbone. On est aussi partenaire technique. On travaille pas que sur le développement de projets ou des documents de projets, mais on travaille aussi sur eh, l'éligibilité éligibilité des nouveaux terrains. Et on utilise des images de satellites, des télédétections, des SIG pour pouvoir, eh, pour mieux analyser où il faut développer les projets. Mais aussi on est aussi partenaire technique avec des autres partenaires techniques comme Regrow qui sont très importants dans le développement d'un modèle d'accumulation de carbone, que c'est très important aussi pour la certification du carbone. Et on est aussi partenaire en la conception des, des activités et des indicateurs vers les objectifs de développement durable, que c'est très important aussi pour les standards, on parlera un petit peu plus de ça. Et bien sûr, on est en charge de tous les procès de certification du projet dont, et, depuis la faisabilité, la conception des projets, les documents pour la certification, l'audit, mais aussi le marketing et la vente finale des crédits de carbone. Merci. Je comprends également que dans le standard, en fait, c'est donc du gauche standard. Et la, la question, c'est finalement. Pourquoi, euh, pourquoi ces certifications-là Oui. Dans l'étude de faisabilité, on avait étudié différents standards, on avait analysé les avantages et on avait trouvé que notre, les standards qui, qui, étaient, qui, qui avaient des meilleures fonctionnalités avec ces projets, c'était Gold Standard. Gold Standard, c'est le, stand, le standard plus rigoureux et fiable du marché international. C'est un standard qui est accrédité par différentes agences, comme par exemple eh, ICROA, qui est une agence qui certifie tous les eh, standards ou les normes locales et internationales, mais aussi par Corsia, qui est l'agence qui donne eh, toute la réglementation pour la compensation de carbone pour les compagnies aériennes. Après, aussi, le standard il est en train de, de, de se mettre au, à la pointe de tous les développements avec l'article 6 aussi. Et Après ça, on sait que Goal Standard il est devenu, il améliore tous les temps. Et dans les dernières années, il est devenu Goal Standard for the Global Goals. Ça signifie que Goal Standard n'est pas un standard que pour la certification de carbone ou l'accumulation de carbone. Goal Standard il fait un focus très grand sur les bénéfices que le projet va apporter vers la biodiversité et la communauté. C'est pour ça qu'il y a un grand suivi vers les impacts, les impacts potentiels négatifs que les standards puissent avoir vers la communauté et, et la biodiversité, et il faut développer des activités pour éviter ces impacts négatifs. Aussi, il faut proposer un impact sur des, 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 au moins trois objectifs de développement durable. Et ça veut dire que le carbone c'est un objectif, mais il faut vraiment Faire des activités pour améliorer avec le projet la qualité vers la communauté et vers la biodiversité. Ça, c'est très différent d'un standard qui soit juste sur le carbone. C'est un standard qui vraiment est vraiment sur les co-bénéfices vers la communauté et la biodiversité. Gol standard, il y a quelques critères de, garantie, de, de, de qualité que nous, on a trouvé très intéressants. Par exemple, l'engagement engage, avec les parties prenantes. C'est un engagement qui est vraiment à la pointe d'engagement des de consultations locales. C'est un engagement très complexe que Gallagos fait très bien sur le terrain, mais que ça prend beaucoup de temps et qu'on a un suivi très rigoureux avec la norme. La norme, elle fait attention à tous les pas n'est pas la même chose avec des autres des standards qui nous on travaille. Et suivi, le standard fait un suivi très fort avec le projet, pas que dans des points clés comme la validation ou la vérification, mais chaque année il a un suivi des auditeurs et des standards vers le projet. Et il a un très bon, il a très bons suivi aussi vers la permanence. Comme je vous dit, il a des garanties très spéciales vers les impacts négatifs que le projet puisse avoir vers la communauté et vers la, et vers la biodiversité. Et il faut vraiment de proposer des activités pour diminuer ces impacts négatifs. Aussi, il faut proposer au moins trois objectifs de développement durable. Et tout cet ensemble de, de qualités des standards, ça fait que c'est un standard très rigoureux, qu'on a trouvé que c'était le meilleur pour les projets, qu'il a une grande confiance dans les marchés, il a une grande confiance pour, pour les investisseurs et ça donne aussi un meilleur prix dans le marché que, que les marchés que des autres standards. Maintenant, on est dans un cycle de certification de projet. Les Le projet il est maintenant dans le troisième pas pour cette certification. La certification, ça commence avec les études de faisabilité, mais aussi la conception de projet et le développement de tout un document pour la certification de projet. On a fait une consultation locale très précise et ces consultations, c'est très important parce qu'on prend tous les, les rapports toute l'information de, de cette consultation locale et tous les impacts qu'on peut avoir sur la communauté pour améliorer les projets. Ça, c'est très important. Après, on commence dans un période une période de révision préliminaire des goûts standards, que c'est là qu'on va commencer, et pour lister les projets. Et ces révisions, ce n'est pas que sur le carbone, mais aussi sur les impacts positifs ou négatifs des projets vers la communauté et la biodiversité. Après, on commence en période d'audit. Et avec un auditeur international agréé, et une validation par un deuxième audit interne de Gauley Standard qui va finir dans la validation des projets et la certification des projets. Après, ça commence en période de vérification de ces impacts, que ça va être dans ces projets-là, dans l'année 3 et 5, qu'on va y aller sur le terrain à mesurer vraiment les impacts de l'accumulation de carbone dans le sol et les impacts vers la communauté et la biodiversité. Et finalement, après la vérification, que c'est aussi audité et vérifié aussi par les standards, on aura l'émission des crédits de carbone et bien sûr la, la vente et commercialisation des crédits de carbone. D'accord. Donc en fait, je comprends que le, le standard est vraiment très robuste. On a oui. vu un peu tous les éléments et que chaque crédit carbone qui sera potentiellement généré sera vraiment basé sur quelque chose qui aura été monitoré mesuré. mesuré. Oui. D'accord, intéressant. Peut-être qu'au-delà du standard en lui-même, on pourrait parler du projet, parce qu'il y a plein de belles choses à raconter là-dessus. Donc, est-ce que c'est possible d'en savoir un petit peu plus Oui, tout à fait. Alors, donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait euh, déjà chez Gaïago. Gaïago, c'est une petite entreprise basée à Saint-Malo qui travaille sur la revitalisation des sols. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer la transition agroécologique pour euh, ramener des sols plus vivants dans l'agriculture française, européenne, et puis un jour au-delà. Euh, pourquoi un sol vivant Parce qu'il a été euh, démontré que les bénéfices d'un sol vivant vont, euh, sont très larges et vont permettre de limiter euh, les intrants de synthèse en agriculture, de permettre des économies de travail et d'énergie, une plus grande stabilité des rendements, qui reste quand même un facteur très important pour les agriculteurs, et enfin une meilleure qualité des récoltes. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, Gaillago travaille sur le sujet de la revitalisation des sols et on a identifié qu'une des difficultés des agriculteurs, c'était de pouvoir financer cette transition. Euh, donc, nous, on apportait des solutions et on avait besoin de pouvoir les aider à financer euh, ces solutions. Et c'est là qu'on a décidé de développer un, un projet, euh, GaiaGo Carbon, qui apporte des solutions de financement euh, à nos solutions euh, de revitalisation des sols. En particulier, on travaille sur un produit euh, qui est un biostimulant, qui s'appelle Nutrigio. Donc, c'est un, un produit, un prébiotique. Euh, prébiotique, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas d'organismes vivants au sol, on apporte un complexe d'acides euh, organiques, de, organique, de polysaccharides et d'oligoéléments, donc euh, une solution liquide, utilisable en agriculture biologique, euh, qui va permettre de revitaliser les sols. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va euh, aider notamment les champignons du sol à se développer et à mieux dégrader la matière organique du sol. Derrière, on va avoir des impacts euh, qui ont été prouvés euh, par de nombreux essais et, euh, et par des observations d'agriculteurs des impacts sur euh, la structure du sol avec une meilleure porosité une meilleure capacité d'infiltration de, d'eau euh, des sols plus faciles à travailler des nutriments plus facilement accessibles aux plantes donc tous les bénéfices qu'on peut avoir d'un sol vivant euh, on vient de terminer une, une expérimentation sur plus de 2000 parcelles où on a on a prouvé dans 90% des cas avoir des effets visibles souvent en moins de six mois et donc un des avantages de, de cette revitalisation des sols avec Nutrigéo, c'est que ça permet d'améliorer le stockage de carbone. Donc on a une estimation en moyenne d'un stockage de 3 tonnes de CO2 euh, équivalent par hectare et par an en moyenne, ce qui est assez euh, gros pour un projet agricole. Et donc vous avez un schéma à droite euh, que je ne vais pas décrire dans le détail, mais qui explique comment, euh, en allant stimuler les champignons du sol, on va réussir à stocker plus de carbone dans le sol. Tout ça ça vient du fait que les champignons, contrairement aux bactéries qui sont souvent majoritaires dans les sols agricoles, ont tendance à mieux stocker le carbone, à moins respirer et émettre du CO2, mais par contre à transformer toutes les résidus de matière organique en matière organique stable en humus, un peu comme un sol de forêt, on va avoir beaucoup de matière organique parce qu'il y a beaucoup de champignons dans les sols de forêt. Donc voilà le mode d'action principal du produit. Et donc, par rapport à ça, on a décidé de développer euh, ce projet carbone où on va rémunérer les agriculteurs qui utilisent notre produit en crédit carbone. On a voulu ça simple et facile à mettre en œuvre, donc avec une application annuelle de notre produit pendant cinq ans, des pratiques d'agriculture régénératrice qui peuvent s'ajouter euh, à l'utilisation du produit pour aller améliorer les résultats. Et donc, tous les ans, l'agriculteur va appliquer le produit, euh, revitaliser ses sols, et la manière dont on va prouver qu'il y a une augmentation du stock de carbone dans les sols, c'est par une mesure directe. On fait une analyse de sol au début du projet, donc là on en a fait beaucoup ces deux dernières années. On fait une deuxième analyse de sol au milieu de projet après la troisième année d'application et en fin de projet. Et c'est la différence entre le, le stock de carbone qui est mesuré au début et à la fin du projet qui va générer les crédits carbone. Voilà, donc je vous le disais, nous ce qu'on a voulu faire, c'est un programme qui soit simple et accessible à, à tous les agriculteurs et agricultrices. Donc, on a un programme sur cinq ans qui permet de découvrir et de comprendre ce que c'est l'agriculture régénératrice. Et on a aussi, et on en parlera un peu après, mais un gros programme de formation pour tous les agriculteurs qui sont impliqués pour apprendre à découvrir des pratiques qui soient adaptées à leur terroir. Euh, il est volontairement simple à être mis en œuvre avec des, euh, des produits en forme liquide qui sont des choses que les agriculteurs sont très, utilisés, très habitués à, à utiliser et à épandre dans leur champ. Et il s'adapte à tout type de culture, pas uniquement aux grandes cultures comme certaines méthodologies euh, ou juste à l'élevage. Mais ici, on peut aller s'adresser à tout type d'agriculture parce que ce qui est important, c'est d'abord le sol et la revitalisation des sols et pas spécialement le type de culture qu'on fait pousser dessus. Donc voilà. Notre projet. Très bien. Peut-être juste en, en termes de qualité des, des projets, justement, comment vous faites pour garantir ce minimum-là Oui, je crois que comme Anaïs avait dit, eh, ah non, pardon. Vers les standards, vers la norme, la qualité, c'est donné par trois choses, que c'est, par exemple, la permanence du projet. C'est très important que, la, que les crédits de carbone, par exemple, soient, soient permanents pour la durée du projet et au-delà. Et c'est pour ça que le suivi de la permanence, ça commence aussi avec l'engagement des parties prenantes. Si les agriculteurs, si tous les gens sont mis d'accord à développer la même qualité de projet, c'est vraiment un, un critère de qualité. Et aussi, comme j'avais mentionné avant, à part d'engager la communauté, aussi de pouvoir prouver des autres bénéfices, c'est un critère de qualité des projets, de pouvoir montrer que le projet, ce n'est pas pour un bénéfice de créer carbone, mais qu'il y a des autres bénéfices qui viennent avec les projets, comme c'est les bénéfices vers la communauté, vers la biodiversité autour des projets aussi. Ça, c'est un des critères de qualité. Et alors, en termes de co-bénéfices, enfin, je sais pas si oui, vous voulez. Peut-être pour compléter sur les aspects qualité du projet. Donc il y a effectivement beaucoup d'indicateurs qu'on vient suivre euh, côté structuration de dossiers euh, certification. Mais nous, notre point d'attention euh, côté Gallego, c'est vraiment d'avoir un accompagnement des agriculteurs. Euh, et ça, on le fait grâce à des partenariats finalement qui sont, euh, qui sont forts, qui sont encadrés. Notre premier, nos premiers vrais partenaires qui sont piliers sont les distributeurs agricoles, euh, donc coopératives, négoces. Euh, qui connaissent leurs agriculteurs euh, clients ou adhérents, qui connaissent leurs problématiques euh, agronomiques, euh, leurs problématiques de sol, euh, et donc qui vont, eux, vouloir aussi s'engager pour apporter des solutions euh, à leurs adhérents, comme notre programme de revitalisation des sols. Donc c'est vraiment avec eux qu'on euh, va aussi cibler les exploitations qui euh, en, ont, en ont besoin euh, et qui vont être euh, éligibles aussi, euh, et puis qu'on va mener ce suivi sur 5 ans, euh, vraiment sur le terrain. Euh, main dans la main. Donc, on a ces partenaires, euh, ce partenariat fort avec le distributeur sur le terrain qui nous permet d'apporter une qualité, mais aussi avec des, la, des partenaires techniques, euh, laboratoires. Euh, donc, on parlait de, de prélèvement, que ce soit pour le prélèvement pour l'analyse, ben on a plusieurs partenaires en France et en Belgique qui viennent assurer cette qualité, euh, avec qui on travaille. Euh, et enfin, côté GaiaGo, on a aussi euh, ce suivi sur le terrain. Euh, notre cœur de métier, c'est vraiment l'agronomie. On part de la problématique agronomique, on accompagne avec les biosolutions, mais aussi avec une expertise plus globale. Donc on parle d'équilibre de, 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 minéral des sols, on parle d'autres solutions potentiellement complémentaires. Et la première attente de l'agriculteur, elle est vraiment sur cet accompagnement agronomique, auquel on ajoute bien sûr, dans le cadre du, du suivi des 50 programmes, un accompagnement administratif pour aussi suivre l'ensemble des indicateurs cités. Euh, et s'assurer d'une qualité euh, au global. Donc, donc, ce qui veut dire qu'en fait, la dimension carbone n'est qu'une conséquence, finalement, d'un projet plus large. Et, et un point intéressant, c'est que pour un agriculteur, le carbone, c'est quoi C'est de la matière organique. C'est un taux de matière organique et un, un sol euh, fertile, c'est un, un sol qui transforme bien sa matière organique de manière active en humus, justement, qui va être un, une source de fertilité pour les sols. Donc, le, le, le mot-clé en agriculture, c'est plutôt la matière organique, l'humus. Derrière, il y a du carbone, il y a des tonnes équivalent CO2, euh, mais, mais, mais concrètement, c'est de la fertilité. D'accord. Et alors, au-delà de, de l'aspect carbone, on a parlé donc de co-bénéfices. Euh, dans certains standards, c'est parfois quelque chose qui est communiqué un peu sur le côté, euh, mais dans Gold Standard, il me semble que c'est quelque chose d'un peu plus suivi que ça. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Pendant, il faut avoir des. Quand on va vérifier aussi les co-bénéfices, il faut qu'ils soient mesurables. Il faut qu'on puisse les mesurer, pas que le carbone, mais aussi les autres co-bénéfices qu'on veut eh, valider. Il faut être mesurable dans les tombes et il faut qu'ils s'améliorent dans les temps. Aussi, quand on mesure les risques vers les projets, il faut développer des activités qui vont aussi améliorer dans les tombes. Ça, il, quand il y a des risques, et des fois, on peut diminuer les risques immédiatement, mais des fois, il faut les faire à un temps un petit peu plus long. Et, mais il faut vraiment proposer des activités et des indicateurs qui vont montrer l'amélioration de ces risques dans le temps. Et donc là, les exemples, je pense qu'on en a quelques-uns. Du coup, on s'est concentré sur trois, euh, trois objectifs de développement durable. Le premier, c'est celui euh, zéro fin. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que le zéro fin, c'est vraiment l'objectif final. Dans les moyens, il euh, y a la sécurité alimentaire et une production agricole durable. Et donc, nous, on agit vraiment sur, euh, sur cette sécurité alimentaire et cette résilience des agrosystèmes euh, face au changement climatique pour euh, permettre de euh, ben garder des bonnes conditions aujourd'hui et pour demain euh, de la production agricole. Euh, et donc, là, l'indicateur qu'on vient suivre, c'est la surface. Euh, la surface revitalisée euh, où on vient effectivement améliorer la, la fertilité des sols à travers le biostimulant et potentiellement d'autres leviers. Il y en a deux autres, donc un second euh, sur lequel on se concentre, c'est euh, l'éducation, euh, la formation. Euh, donc euh, effectivement, on parle de problématiques de sol, mais au-delà d'apporter un produit aux agriculteurs et une expertise, il faut apporter euh, plus globalement une, une formation, parce que que ce soit d'un point de vue agronomique, euh, D'un point de vue euh, pratique, il y a beaucoup de choses, euh, la, la science euh, se fait encore, on va dire, et, et il y a beaucoup de, de, de changements qui sont culturels, qui sont à, euh, à apporter. Il y a eu... En agriculture, il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Euh, ben, malgré ces transmissions et, euh, et le pouvoir de la transmission, ben, il y a aussi de, du renouvellement de, de connaissances à, à faire. Et on apporte ça aux distributeurs et aux agriculteurs, notamment à travers des communautés, donc ce qu'on appelle des, euh, des clubs chez chaque distributeur de, de clubs de fertilité des sols où on vient former euh, sur euh, bah, le sol, qu'est-ce qu -ce que c'est, pas juste un support, mais euh, un ensemble d'équilibres euh, minéraux, euh, microbiologiques, euh, comment agir sur ces leviers, comment ils vont avoir un impact sur ma production euh, et euh, les, autres, les autres leviers euh, d'agriculture régénérative qui sont aussi stockants euh, au passage. Donc c'est euh, un critère très important pour nous, pour faire changer aussi le secteur agricole au global. Et un troisième qu'on peut citer, du coup, c'est vraiment l'effet direct sur le climat avec euh, la séquestration. Euh, et donc là, on parle en tonnes équivalent euh, CO2 en venant vraiment mesurer les, le carbone stocké, euh, l'augmentation du stock de carbone, stocké, euh, enfin de carbone dans les sols. Ce qui veut dire on... que tous ces indicateurs-là, en fait, ils sont audités en même temps que, que le carbone, en fait, tous les 3 euh, ans, 5 ans Exactement, en fait, on a un suivi de l'ensemble de ces indicateurs euh, en fait, chaque, chaque année, nous, c'est un suivi euh, continu qu'on a mis en place. Euh, Au-delà de ces trois indicateurs, on a un, un indicateur de santé du sol que nous, on a, on a rajouté dans le cadre de ce dossier, euh, qui est sur la, vraiment la porosité du sol. Donc, en fait, on vient surveiller l'évolution de la densité. Euh, qui, est un, qui, qui vient illustrer finalement la porosité du sol, parce que un sol euh, vivant, c'est un sol qui est plus poreux. On a les, donc les champignons, dont vous parlez Anaïs, qui viennent euh, finalement recréer la porosité dans les sols, euh, ce qui permet à l'eau de mieux s'infiltrer aux racines d'aller euh, chercher plus profond, à la plante de mieux s'implanter et, euh, et au global d'avoir une mesu, meilleure gestion euh, des ressources aussi. Très bien. Et alors, je, euh, avant de passer à ça, euh, peut-être juste la question des crédits carbone du coup. Euh, Puisqu'en fait, euh, c'est un moyen finalement d'aller chercher du financement complémentaire. Euh, comment, comment, enfin, comment ça va à peu près fonctionner par rapport justement aux agriculteurs Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner ouais, Alors les agriculteurs, alors une fois qu'on a, qu a émis les crédits carbone revendus, euh, 100% des bénéfices nous sont euh, reversés aux agriculteurs. Euh, on a construit ça en deux étapes, c'est-à-dire qu'on a une, une mesure à trois ans après le début du programme, euh, on vient faire un, un point d'étape euh, à mi-parcours, euh, déjà regarder l'augmentation de stock et avoir une première rémunération carbone. Et ensuite, on va jusqu'aux 5 ans du programme avec une troisième mesure euh, de, de carbone dans le sol et on vient euh, faire le delta supplémentaire. Très bien. Euh, C'est très clair. Je, je, du coup, moi, je vais proposer de euh, rapidement passer aux questions. Euh, ça, je vais peut-être euh, vous le dire très rapidement. C'est en fait le sujet de l'agriculture génératrice en général est quelque chose d'essentiel que nous on voit arriver et grossir de plus en plus. Euh, on a souvent tendance à dire en fait que l'agriculture aujourd'hui fait plutôt partie du problème quand on la présente euh, sur la. Le pur bilan des émissions de gaz à effet de serre, notamment euh, en France. Et en fait, on se rend compte aussi à quel point ça peut devenir une grosse partie de la solution. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de projet qui nous intéresse particulièrement et qu'on souhaite mettre en avant. Et, euh, et ouais, de manière générale, c'est un sujet sur lequel on, on, on a à cœur de faire euh, euh, intervenir un certain nombre d'experts. Et donc, notamment le 17 octobre, pour information, si ça vous intéresse, on a aussi un, un, un événement qu'on organise de manière spécifique, dans lequel on aura aussi un autre partenaire qui s'appelle Biosphère. Qui viendra aussi parler euh, d'agriculture durable avec euh, les témoignages également de, de Carrefour et l'Occitane. Donc, ça, c'est voilà, juste pour information. Je pense que ça peut être plus intéressant là tout de suite de rester concentré sur ce sujet et de voir si éventuellement il y a des questions dans la salle. Tout d'abord, félicitations, c'est un projet, un projet passionnant. Euh, J'ai une petite question. Euh, quelles, sont les quelles sont les prochaines étapes de votre projet Et une deuxième question, euh, jusqu'au micro est chez moi. Est-ce que vous pensez déployer le projet euh, dans les autres pays européens Merci. Alors, sur les, les prochaines étapes, euh, donc on a et des étapes, on va dire, sur le terrain, pour les agriculteurs, et des étapes, nous, ben, avec South Pole sur la rédaction des dossiers euh, et l'avancée de la certification. Euh, sur le terrain avec les agriculteurs, on est dans une étape où euh, donc on, on est déjà à la deuxième application de produits euh, pour certains. Donc euh, on vient accompagner à, à bah, faire le suivi agronomique, euh, à suivre, à récupérer aussi les données parce qu'il y a un certain nombre de données qu'on vient chercher pour euh, agrémenter les dossiers. Euh, et puis d'un point de vue certification, finalement, on vient vraiment monter les dossiers qu'on va qu'on va déposer dans les prochains mois. Voilà. Après ça, quand on va donner les documents à, à Gold Standard, on va commencer avec un, un préliminaire review, une révision préliminaire de Gold Standard. Et quand on passe à cette révision préliminaire, préliminaire qui, qui, qui est un focus pas que sur le carbone, mais aussi sur tous les autres impacts du projet, et on va commencer avec l'étape d'audit. Et sur les, les autres pays européens ah, oui, et donc sur les pays européens, effectivement, on compte développer le projet. Aujourd'hui, il est principalement en France et en Belgique, mais euh, chez Gaigon, on travaille déjà avec des équipes localisées en, dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, au Royaume-Uni, et on se développe aussi euh, en Allemagne, euh, en Espagne. Donc, euh, l'avenir pour nous, ça va être de, de pouvoir développer ce projet dans d'autres pays euh, avec Saxo. Est-ce que vous avez déjà trouvé des financeurs, en fait, pour euh, acheter les, les certificats ou les crédits carbone est -ce que, voilà, qui est-ce qui est intéressé par ce genre de projet Il y a beaucoup d'intérêt pour ce type de projet, des projets basés dans la nature. Et, mais ça, on est encore dans une étape très, très initiale parce que la vérification, ça va être dans l'année 3 et dans l'année 5. Et ça veut dire qu'après qu'on a mesuré vraiment les bénéfices, ça c'est une différence beaucoup de ce type de crédits carbone qui ne sont pas exemptés comme ça existait avant, qui c'était donné avec la conception des projets, mais les crédits de carbone ici sont ex ça veut dire après la mesure, est vraiment sur le terrain. Et ça va être l'année 3, et dans chaque unité, c'est différent quand c'est l'année 3. Et à l'année 5, à ce moment-là, on va commencer à, à penser en acheteurs. Mais ils sont, à ce moment-là, il y a beaucoup d'acheteurs sur ce type de crédit de carbone. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur le, le critère de permanence Parce qu'on sait qu'en agriculture, c'est souvent le sujet qui revient comment on s'assure de, de la permanence du, du stockage du, du carbone, notamment si les, les méthodes d'exploitation changent, etc. Enfin, le, de ce que j'avais compris et est-ce que ça c'est contrôlé par vous Gaïa ou au niveau du standard c'était pas très clair pour moi je peux commencer par un aspect un peu technique euh, côté Gaïago euh, nous, l'enjeu le, de la permanence, au début, on l'a interprété aussi euh, d'un point de vue agronomique, de se dire le carbone doit rester stocké dans les sols et comment, euh, comment on peut s'en assurer. Et une des réponses, c'est de dire que justement le mode d'action de notre produit il est assez intéressant là-dessus, parce que les champignons euh, qui stockent euh, le carbone dans les sols. Ils ont tendance par rapport aux bactéries à générer du carbone qui est beaucoup plus stable, comme de la glomaline par exemple. C'est une sorte de colle qu'on trouve dans les sols que sécrètent les champignons et qui a une durée de vie qui est supérieure à son temps, qui est souvent la durée de la permanence des programmes carbone. Donc on a déjà un premier élément de réponse qui est que le mode d'action de notre produit permet de générer plus de carbone stable euh, que d'autres méthodes de stockage de carbone dans les sols. Et après, oui. Euh... Et après. Oui, après, vers les standards, c'est un peu différent, par exemple, dans l'agriculture, que quand on pense à un projet de reforestation, où la permanence, ça doit être, par exemple, pour tous les cycles de reforestation, ou même jusqu'à la fin du cycle de, de croissance des arbres. Parce que dans l'agriculture, ça dépend de la méthodologie et les calculs qu'on utilise. Dans ces calculs-là, c'est déjà tenu en compte les cycles, les, les, les cycles qui sont beaucoup plus petits de l'agriculture. Et aussi, par exemple, vers la permanence, on fait beaucoup attention à la terre c'est comment on gère la terre, c'est qui les participants, comment est-ce qu'ils sont engagés dans les projets. Et c'est pour ça que j'avais parlé de la permanence, quand j'ai parlé dans l'engagement tout au début, dans la, de la participation locale, de savoir vraiment qui est dans les projets et c'est quoi ses intentions. Mais aussi dans les standards, il y a des autres déductions qui viennent, par exemple, avec les beaux-fers, qui ça évalue aussi le type de projet, si c'est un projet agronomique ou si c'est un projet forestal des réforestations, pardon, et les types de, de participants, la quantité de participants, ça augmente des risques de permanence ou se réduit, ou se réduit les risques de permanence. Tout ça s'est évalué et c'est pris dans un compte d'épargne à côté, au cas où il y a des problèmes de permanence dans le futur. Oui, peut-être en plus, dernier point, c'est qu'il y a les audits qui peuvent durer bien au-delà des 50 programmes sur le, les pratiques agricoles, des audits sur le terrain qui dépassent les 50 programmes. Bonjour, merci beaucoup pour euh, cette euh, intervention. C'est intéressant de voir concrètement un projet. Euh, J'ai une première question qui est euh, sur le fait que du coup, une entreprise qui va financer un, un projet carbone, à acheter des crédits carbone, elle va avoir donc pas mal d'intermédiaires avec South Pole, qui travaille avec vous, GaiaGo, et qui travaille avec les agriculteurs. Comment est-ce que vous faites pour assurer, euh, promettre la, la fiabilité du projet dans le temps et ma deuxième question qui est un peu liée au sujet de la permanence aussi, c'est euh, qu'est-ce qui se passe après les cinq ans Est-ce qu'il continue à y avoir du suivi Est-ce que l'entreprise a du suivi là-dessus Sur les cinq ans, on... donc euh, Aurélie venait d'apporter une partie de réponse déjà, donc je vais juste rappeler, mais c'est vrai que... Il euh, y a les 50 programmes. Nous, il y a des formations pendant ces cinq ans, et, et donc ce qu'on espère euh, montrer avec ces formations, c'est que les agriculteurs ensuite, assez naturellement, vont continuer ce genre de pratique parce qu'ils auront compris l'intérêt aussi euh, économique, euh, voilà, pour eux. Et on a effectivement des audits qui peuvent se dérouler jusqu'à 20 ans après. Euh... Pendant le programme. Donc, euh, donc, après les cinq ans, il reste encore des potentiels audits euh, qui, qui sont oui. censés les inciter à. Le projet complet, c'est 20 ans. Ça veut dire que ça continue au, au moins pour 20 ans. Mais maintenant, il y a un développement dans les marchés du carbone qui qu'on cherche des durées qui ne sont pas que des 20 ans ou 30 ans, que c'était comme le minimum, mais qu'il y aura des. De quelque sorte de, de, de suivi, de monitoring après. Et on est en train de travailler sur ça, par exemple, avec l'utilisation de, de, de la télédétection pour pouvoir voir comment c'est le développement, par exemple, que ce type de projet, ça ne devient pas des terres arides, que ce n'est pas vraiment probable. Et, mais par exemple, vers les acheteurs, et comme j'avais dit, et c'est des crédits qui sont après les mesures. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de risque de, que ça n'existe pas, les crédits de carbone. Les crédits de carbone, ça va être émis juste au moment que ça existe vraiment dans la nature, qu'on peut vraiment les mesurer. Et la permanence était déjà eh, calculée dans les, dans les calculs pour l'agriculture. Ça veut dire que et ces crédits de carbone, il n'a pas besoin vraiment de faire un effort d'être là 20 ou 30 ans, parce que c'était l'effort annuel de ce système-là pour tenir le carbone là, ça c'est très différent entre méthodologies. Méthodologie, par exemple, pour on va dire encore une fois pour la réforestation, l'effort il faut qu'il soit pour toute la vie de l'arbre. C'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe. Mais dans des méthodologies qui sont plus vers l'agriculture, c'est presque l'effort annuel de de, 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 de de carbone de rester dans le système. Donc ce que je comprends c'est que si on a un audit à 5 ans. On a, on a uniquement l'impact sur les cinq premières années oui. et on euh, n'extrapole on rien sur les 15 années d'après. Oui. Okay. Et avant, c'était possible. Avec beaucoup de standards, on pourrait avoir les carbone en avance. Et il y avait beaucoup d'incertitudes vers qu ce qui se passe dans l'année 10, est-ce que vraiment le système il est encore là et ça marche. Mais maintenant, c'est juste dans des mesures qui sont déjà faites. OK. Peut-être okay, juste ouais. pour la première question, oui, okay. il y avait aussi un, un oui. enjeu sur le fait d'avoir beaucoup d'intermédiaires. Je pense que South Pole pourra aussi donner son avis. Je pense qu'on a un développeur de projet, nous, Gaïago, South Pole, qui travaille avec nous sur la commercialisation. Oui, euh, donc je pense qu'on est aussi très transparent sur, euh, bah, sur la structure. Nous, on est une entreprise à mission, donc on, on est aussi assez euh, transparent et on communique beaucoup sur ce qu'on fait, euh, ce qui permet aussi d'avoir beaucoup de clarté sur le projet. Oui, et en fait, parce que ce projet, ce n'est pas comme d'acheter et vendre des cahiers de carbone, c'est un projet, en partenariat finalement, il n'y a pas beaucoup de entre la, les acheteurs finaux et les producteurs, parce qu'il n'y a que ces partenariats-là, qui c'est la connexion entre les acheteurs. Et et les producteurs et les mécanismes de partage des bénéfices il doit être clair et transparent aussi vers la certification et vers le public général par exemple les pourcentages et comment à qui ça va être distribué ça doit être bien bien clair ça c'est un avantage d'être partenaire à différence d'être consultant comme j'avais mentionné tout au début peut-être pour compléter un peu je ne sais pas si ça répond à la question euh, nous c'est vrai qu'il y, y a les distributeurs qui sont aussi euh, un intermédiaire, mais surtout un, un, un partenaire euh, pour être au plus proche des agriculteurs dans leur quotidien, finalement. Euh, Ce n'est pas une couche supplémentaire, mais plus euh, le bon interlocuteur du quotidien euh, qui, qui fait qu'il y a quelque chose de clair et une communication claire euh, avec ces agriculteurs. Ça permet aussi d'avoir euh, des, des engagements d'agriculteurs euh, qui ne se seraient pas intéressés à la question euh, tout seuls. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas forcément été chercher euh, un programme carbone. De, de manière spontanée mais là on vient les voir en leur disant vous avez une problématique de sol euh, vous avez des problématiques agronomiques euh, on a cette voie qui est possible et c'est un interlocuteur de, de, de la distribution agricole finalement euh, nous permet de euh, ben, d'atteindre ces agriculteurs euh, dans leur enfin euh, voilà d'une manière simple euh, dans, leur, dans leur quotidien euh, bonjour, du coup, bravo euh, pour cette présentation qui était très claire. Moi, j'avais une question par rapport aux enjeux de biodiversité dont vous avez parlé en termes de co-bénéfices. Euh, mais après, on peut voir que sur les ODD que vous avez choisi de suivre, il n'y avait pas forcément ce, ces indicateurs sur la Biodiv. Est-ce que du coup, vous avez cherché à le faire quand même Et quels indicateurs du coup avez-vous suivi euh, par rapport à un projet comme ça euh, alors c'est intéressant parce qu'il euh, a pas mal nous au niveau de l'utilisation du produit et de la revitalisation des sols, il y a pas mal de co bénéfices qu'on qu constate euh, et qu'on commence à étudier au niveau de GAIAGO, que ce soit sur euh, bah, la gestion de l'eau notamment, euh, on multiplie les essais, on essaye d'avoir de, de, une approche plus structurée de ces indicateurs précis. Euh, cela dit, c'est des choses qui sont pas forcément sur lesquelles on n'avait pas forcément déjà des indicateurs de près. Euh, et des chiffres de prêt, euh, et ensuite qui peuvent être coûteux à mettre en place de manière systématique. Euh, donc euh, on n'a pas forcément ajouté ces, ces layers, on va dire, d'indicateurs supplémentaires. Euh, par contre, c'est important de le mentionner qu'au niveau de, des activités de Galleago et de, de l'action du produit, ben, nous, on continue d'étudier ces, ces indicateurs-là. Quand on parle de biodiversité, on parle par exemple de, euh, de, de familles euh, euh, microbiennes. Donc euh, on travaille avec une chaire de recherche. Euh, qui euh, là commence à avoir des, des résultats sur les diversités fongiques euh, et enfin la multiplication euh, et, en, et en type de famille, en nombre de familles et euh, en population euh, de euh, des champignons. Dont euh, justement un article scientifique qui sera publié dans euh, dans quelques semaines, euh, donc euh, voilà qui va prouver aussi la, la qualité de la, la recherche qui a été faite, et des, des résultats qu'on obtient qui montrent l'augmentation des populations de micro-organismes micro et notamment des champignons qui vont stocker le carbone. Et comme Aurélie a mentionné, et tout au début, on, on se base dans les indicateurs qui ont vraiment mesurer et qui ont vraiment donner des indicateurs clairs maintenant. Mais dans les prochaines vérifications, dans les prochains pas, on peut aussi travailler dans des autres indicateurs où on aura plus d'informations dans le futur. Bonjour, merci pour ces échanges. J'avais une, une première remarque et une question. Je suis très impressionnée par les 3 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an que vous annoncez. Euh, je, enfin, Je ne l'ai jamais vu. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe si l'agriculteur n'arrive pas à atteindre Qu'est-ce qui se passe pour lui si l'agriculteur n'atteint pas cet objectif-là, euh, euh, effectivement et puis euh, la deuxième question concernait le, la partie euh, financement. Euh, donc si j'ai bien compris, ce sont des crédits ex post qu'on n'achète que quand ils sont réellement générés. Euh, pour autant, on voit, euh, pour ne pas la citer sur certaines plateformes comme Agotera, des crédits Gaiago qu'il est possible d'acheter aujourd'hui. Donc euh, quel est ce mystère et euh, par ailleurs, euh, si le financement n'arrive que ex-post, euh, comment vous arrivez à motiver les agriculteurs à entrer dans un programme comme celui-ci Parce que lui, euh, ça génère souvent des dépenses supplémentaires. Euh, la transition éco écologique pour lui, c'est un coût. Et, et donc, euh, euh, souvent, les mécanismes permettent de préfinancer les leviers qui qu mettent en place. Que des très bonnes questions. Euh, je peux essayer de répondre sur la partie agriculteur. Nous, ça a été notre première préoccupation, c'est de s'assurer que le programme, il soit fait pour l'agriculteur et que lui ne porte pas le risque. Donc en fait, euh, donc déjà, il n'a aucune obligation de stocker 3 tonnes. Ça, c'est la moyenne qu'on a estimée dans nos essais. Euh, mais il stockera ce qu'il stockera et il ne stockera pas s'il ne stocke pas. En ce qui le concerne, euh, il aura utilisé un produit pendant 5 ans. Il aura amélioré la structure de son sol. Il aura vu beaucoup d'autres bénéfices, notamment on observe des bénéfices aussi sur du rendement ce qui derrière ça fait comme un avantage économique pour l'agriculteur et qui en soi est déjà une incitation à utiliser ce genre de produit et à continuer à l'utiliser mais s'il stocke pas et il stocke pas en l'occurrence on a un petit mécanisme financier où il a une petite contribution pour rentrer dans le programme mais qu'on s'engage à rembourser à la fin si s'il si n'a pas stocké suffisamment pour pour se rembourser cette, cette contribution donc pour lui ce sera neutre voilà pour la, la première question en tout cas du point de vue d'agriculteur on a, on a ils n'ont aucun risque à rentrer dans notre programme. On a été vigilants à ça. Pour répondre sur la partie commercialisation et préfinancement, effectivement, on préfinance avec Agotera des crédits dans le cadre de ce programme. On est vraiment sur un préfinancement, donc les acheteurs sont tout à fait au courant du fait que les crédits seront émis et livrés aux dates mentionnées. Euh, et avec un système où euh, on est dans la proximité, un choix de, un choix de ferme, de proximité, etc. Euh, et effectivement, ça dépendra de ce qu'on stockera sur ces fermes. Si on n'a pas les tonnes identifiées euh, sur les fermes identifiées, et ben on ira les chercher sur d'autres exploitations. Euh, donc on est vraiment sur un modèle de préfinancement, mais ça ne change pas le fait que les, les crédits seront émis en année 3 et année 5. Si je me rappelle bien, il y avait aussi la question de, euh, ils doivent attendre trois ans avant d'avoir les retombées au niveau des agriculteurs. Et donc, euh, pendant ces trois ans-là, quels mécanismes ils ont pour pouvoir justement financer une partie de cette transition Oui. Alors la réponse, c'est que effectivement, c'est plus une. Euh, Peut-être que c'est un levier qui est, qui est aussi euh, psychologique dans le sens où, euh, euh, dans le sens où un produit sol. Euh, j'ai besoin de, de comprendre en quoi ça va euh, m'apporter des réponses sur, euh, bah, sur mon quotidien d'agriculteur. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Aujourd'hui, on ne part pas en se disant la, la, euh, la condition sine qua non à une culture, c'est euh, un sol en bonne santé, puis etc. On part de euh, non, j'ai besoin de tant de phyto, euh, euh, et après, s'il me reste de, un petit peu d'argent, on va voir si on s'intéresse aux biostimulants. Donc, c'est aussi un, un pas psychologique de dire bon, je vais sur, sur le global de mon équilibre économique euh, sur les prochaines années, euh, je vais être rétribué euh, et avoir ce levier, cette aide euh, à la mise en place euh, d'un de, de, outil de revitalisation des sols. Et donc, euh, ça veut dire qu'effectivement, nous, on n'a pas une aide initiale. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a quand même cet investissement initial sur le produit. Par contre, c'est aussi remettre un peu les, les choses dans l'ordre et dire euh, euh, on, on a une aide sur la globalité. Mais en fait, c'est un investissement de, de, de premier niveau en soi, euh, par lequel il faudrait commencer finalement euh, sur une pratique agricole plus durable euh, dans le futur. Euh, bonjour, merci beaucoup pour euh, la présentation. Euh, J'ai deux questions. La première, c'est que, alors quand je suis passée au centre de Southwold tout à l'heure, euh, ce projet m'a été présenté comme pionnier parce que c'est un projet européen, ce qui est vrai. C'est assez nouveau sur Gold Standard ou même sur les autres standards de, de, du marché volontaire du carbone. Qu'est-ce euh, qu qui fait la différence entre votre projet et d'autres projets qui ont pu être listés sur Gold Standard, par exemple, mais qui n'ont pas été validés par la suite, euh, notamment en termes, je pense, d'additionnalité Pourquoi est-ce que votre projet sera additionnel alors que d'autres projets en Europe ne l'étaient pas euh, auparavant Et c'est peut-être une histoire de méthodologie, du coup, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas simplement de la reforestation comme on a pu voir dans d'autres projets. Du coup, je suis intéressée de savoir quelle méthodologie vous utilisez. Et la deuxième question, c'est que vous avez dit tout à l'heure, mais j'ai peut-être mal compris, que tous les bénéfices étaient reversés aux agriculteurs. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que vous avez remboursé tous vos investisseurs initiaux, tous les bénéfices, y compris financiers, sont reversés aux agriculteurs C'est peut-être moi qui ai mal compris cette partie-là. Euh, non, c'est vraiment ça. En fait, on a une structure. Euh, pour répondre à la dernière question et on reviendra sur la première. Euh, c'est une structure euh, juridique qui est séparée euh, de euh, Gaïago qui distribue des produits. On a Gaïago euh, Global qui distribue, euh, qui a son activité euh, euh, cœur d'activité et Gaïago Financement du coup qui a vraiment juste cette activité carbone. Et donc, euh, effectivement, une fois rémunéré ben, tout simplement les, les partenaires de projet et, euh, euh, qui, qui permettent de le réaliser. 100% des, des bénéfices carbone sont reversés aux agriculteurs. Ça, c et en termes de méthodologie, alors moi je connais encore assez mal les autres projets euh, Gold Standard, donc peut-être qu'on pourra compléter, mais la méthodologie qu'on utilise, c'est la SOC Framework Methodology, euh, dans laquelle on vient ajouter on a créé et développé avec Southpol un, un activity module, enfin un module d'activité euh, qui s'adapte au biostimulants Et donc à ma connaissance, c'est une méthodologie qui est assez récente, qui est spécifique au stockage de carbone dans les sols euh, par l'agriculture. Euh, et donc je... voilà. oui. oui, dans les problèmes d'additionnalité, normalement, il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment une nouvelle technologie. C'est vraiment dans l'agriculture durable, il n'y a pas vraiment. C'est innovateur, il y a beaucoup de restrictions qui viennent de tous les milieux agric... d'agriculture. Qui, qui, qui empêche par exemple ce type de projet. C'est pour ça que c'est plutôt additionnel. Mais les autres projets les standards sont en général de la reforestation et sont en général des business as usual. C'est des projets qui sont à peu près les mêmes, les mêmes types de projets dans la même région ou dans le même pays. Et c'est difficile vraiment de, de démontrer qu'il y a des barrières pour ce type de projet de réforestation. C'est pour ça que c'est. En général, très difficile de faire des projets de réforestation ou de réforestation commerciale en Europe, sauf que ce soit vraiment pour la conservation. Mais dans l'agriculture, il y a beaucoup plus de barrières vers une agriculture durable comme ce type-là. Alors, on nous fait signe que ça se termine. Donc, euh, je ne crois pas qu'on aura la possibilité de poser une autre question. Donc, si vous souhaitez continuer la, la discussion, n'hésitez pas. De toute façon, on sera au stand de, de Sars paul 39 si je me trompe pas donc euh, voilà on sera ravi de pouvoir éventuellement répondre à quelques questions qui pourraient rester euh, et on vous remercie encore une fois pour votre euh, pour votre écoute merci beaucoup et vos merci questions beaucoup.